Valérie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais faire un tout petit pas de côté, mais ça touche votre rapport. Vous avez parlé effectivement de la monétisation des rendez-vous et donc d'activités frauduleuses. Il se trouve que dans notre droit positif, une personne étrangère doit déclarer, par exemple, un changement d'adresse dans les 7 jours et donc faire les démarches auprès de la préfecture. Or, aujourd'hui, certaines préfectures, et la mienne en fait partie, il n'y a pas de rendez-vous disponible avant le mois d'octobre pour déclarer un changement d'adresse. Et finalement, le coût du timbre n'est pas un frein dans ce cas-là, parce que c'est 19 euros pour changer d'adresse. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, la personne n'est pas en situation de pouvoir faire sa déclaration de changement d'adresse et donc d'être à jour. Est-ce que vous avez croisé des difficultés comme celle-là? Est-ce qu'on ne peut pas dématérialiser cette procédure ou la rendre plus fluide? Je vous remercie. Louis Bricot.